أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. صدق الله العظيم. Dans les versets précédents, nous avions vu les objections des mushrikoun de Makkatul Mukarrama à l'égard du Saint Coran et Karim à travers le verset 31 walau anna qur'anan suyirat bihi al-jibalu aw qutti'at bihi al-ardu aw kullima bihi al-mauta, verset à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala a établi réétabli le miracle du Saint Coran et Karim. Donc dans la suite de ces versets aujourd'hui, les versets 32 à partir du verset 32 de la sourate Ar-Ra'd, le tonnerre, Allah subhanahu wa ta'ala dit que remettre en cause, du moins le lien entre le verset précédent et ce lien, c'est que remettre en cause les versets du Saint Coran et Karim et encourager les gens à remettre en cause les versets du Saint Coran et Karim, cela revient à se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala et se moquer du Saint Coran. Donc Allah azza wa jal répond au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont remis en cause le wahy, la révélation, et ils te remettent en cause, toi, le muha ilayh, donc tasliyatan laka, au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin de te réconforter, ne t'inquiète pas. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika, avant toi également, les prophètes, les messagers, eh bien, ils ont été, on s'est moqué d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc, ولقد استهزئ برسل من قبلك, que avant toi également on s'est moqué de nombreux messagers avant toi. من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas envoyé immédiatement sa punition, mais il a accordé un répit. ثم أخذتهم, et ensuite
la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de la punition, s'est abattue sur eux. Allama Biqa'i rahimahullah, il dit que la précision min qablika, harf jar qablika, mudaf mudaf ilayhi qui devient majrour, c'est pour montrer qu'il n'y a pas eu à toutes les époques des prophètes non plus. Dans cet verset du Saint-Coran et Karim, Allah subhanahu wa ta'ala dit ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Il n'y a pas eu à toutes les époques des prophètes. Donc ici, c'est juste pour montrer ça. Mufti Muhammad Shafi, rahmatullahi alayhi, dans le début de la sourate Al-Baqara, lui, il dit que وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Là-bas aussi, il y a مِنْ قَبْلِكَ. C'est pour montrer que la prophétie, eh bien, il y avait des prophètes avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'y a plus de prophètes après. Ça, c'est une croyance unanimement acceptée des Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et il y a certains groupes déviants qu'on appelle les Ahmadiyya, les Qadiani, dont le fondateur, dirons-nous, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, a proclamé être prophète, alors que c'est contraire aux nusus qat'iyya, aux nusus, au texte formel, au ijma' de la Ummah. Et donc voilà. Donc, min qablika fa amlaytu lil ladhina kafaru thumma akhadhtuhum. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. Quel a donc été, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, quel fut mon châtiment ? أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant il réétablit le tawhid, son unicité, et il pose la question. Et il dit, mais votre divinité, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, est-ce que lui, celui qui observe, قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسِمْ, ce que chaque âme acquiert. Et de manière mahdouf, cachée, est-ce qu'il peut être semblable aux associés que vous lui donnez? Yani vous faites preuve de shirk, vous dites qu'il y a plusieurs dieux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il qa'im, il contrôle, il a cette sifat de isti'ala. Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, lorsqu'il explique ce verset, il dit حَفِيظٌ عليم رقيب على كل نفس منفوسة يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر ولا يخفى عليه خافية. يعني الله تبارك وتعالى connaissance de tout. Lui qui est cette divinité, cet être, ce zat qui a connaissance de tout, qui a la qudra sur tout. Est-ce que vous associez des gens à une telle divinité? Alors la question qui se pose justement à l'Imam Biqa'i rahimahullah, il dit, mais comment pourrait-on associer quelqu'un à Allah? Qui donc a pu associer quelqu'un à Allah? Allah subhanahu wa ta'ala répond, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَا. Ils ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala des associés, des divinités. Ceux qui croient en plusieurs dieux par exemple, ou ceux qui croient que Dieu a des fils, na'ud billah, etc. Donc, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَا. Et pour contrer cela, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un dalil ajib, extraordinaire, comme quand il a donné un dalil pour réfuter cela dans la sourate Al-Ma'ida, lorsque certaines personnes donc pensaient que Isa alayhi salatu wassalam et Maryam radhiyallahu anha, sa mère, étaient des divinités. Allah subhanahu wa ta'ala, là-bas, il a répondu kana ya'kulani at-ta'am, yani il consomme de la nourriture, il mange. Ce qui est un signe que ce sont des créatures, et s'ils mangent, c'est qu'ils ont besoin de manger, ils sont donc dépendants, ce qui montre impuissance, il ne peut pas être un créateur. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, pour réfuter cela, Ajib, il a dit, قُلْ سَمُّهُمْ. Très bien, vous pensez qu'il y a des divinités, alors très bien, nommez-les. Yani, qui sont-ils? Et Allama Biqa'i, rahimahullah, il dit que lorsque vous allez prendre le nom de ces divinités selon votre croyance, عُرِفَتْ حَقَائِقُهُمْ, on va savoir réellement de qui il s'agit. Yani ce ne sont que des pierres, hijara, ou bien ce sont des statues, ce sont des idoles, سَمُّهُمْ. Dans ce mot-là, il y a un rad, jamil, wafir et balir de ces divinités, سَمُّهُمْ. Et subhanallah, puisqu'on a parlé des Qadiani tout à l'heure, min qablika, il y a un très bon ouvrage qui a été écrit à ce sujet, qui à l'origine était une formation qui a été faite par un cheikh, un Maulana, qui a été donc compilé, on trouve en anglais,
Et l'une des plus grandes preuves qu'on peut présenter contre les Qadianis, c'est que, regardez, la personne qui représente ce mouvement, on a dit Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Si quelqu'un vous dit, mais voilà, il recevait la révélation, na'ouzou billah, il faisait ci, etc., ben, demandez-lui, mais qui était-il? D'où il vient? Quelle était son histoire? Et là, vous allez voir que dans sa personnalité, il y a tellement d'égarement et d'errance que ça ne peut pas être, na'ouzou billah, un prophète. Donc à travers Qul Sammouhum, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que justement, eh bien, lorsqu'on va nommer ces divinités auxquelles vous croyez, la réalité va apparaître. Et bien sûr, concernant le Qadiani, ça c'est un argument principal, mais il y a aussi « wa khatam al-nabiyyin »« ana khatam al-nabiyyin la nabiyya ba'di » etc. et des nombreuses preuves dans le Saint-Coran et la Sunna et le consensus des savants. « Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi-zahirin min al-qawl » ou plutôt, lorsque vous prenez des divinités, vous prétendez l'informer, yani vous prétendez informer, dire à Allah ce qu'il ignorait sur terre. Bien évidemment, ce n'est pas possible car Allah il a la science de tout. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha am bi zahirin min al-qawl. Ou bien ou suivez-vous de simples suppositions. Yani ce que vous dites c'est zahirin min al-qawl. Ce n'est pas une preuve qui est forte. Imam Mujahid rahimahullah dit bi dhannin min al-qawl. Yani c'est juste une pensée que vous avez. Bal zuyyina lil ladhina kafaru makruhum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'ils sont tombés dans cet égarement, c'est-à-dire qu'ils ont associé des divinités à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que eh bien cela leur a été embelli. Ça a été embelli lil ladhina kafaru. Qu'est-ce qui a été embelli? Makruhum. Leur plan, leur stratagème. Et là, Allama Biqa'i rahimahullah ta'ala, il explique justement ce terme-là, makr, qui montre l'éloquence et la rhétorique du Saint-Coran et Karim. Et il nous dit que pourquoi est-ce que c'est un makr? Makr, ça veut dire idhar shay'in wa ibtanu ghayrihi. On montre quelque chose alors qu'intérieurement il y a autre chose. Et eux, qu'est-ce qu'ils montraient? Que leurs idoles, c'était donc des divinités, alors qu'ils savent que c'est faux. Et en réalité, ليس بهم في الباطن إلا تقليد الآباء وأظهروا أنهم يعبدونها. Ils faisaient comme s'ils adoraient ces divinités pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'en réalité ils ne croient pas en la résurrection. Et Allama Biqa'i rahimahullah, il a également dans la rhétorique et la précision de la langue arabe, il dit que al-makr, c'est quand on regarde la racine, eh bien, c'est quand on recouvre quelque chose. C'est une tromperie. وَقَالُوا وَالْإِحْتِيَالِ بِمَا لَا يَظْهَرُ. On fait des plans, des subterfuges, des stratagèmes de ce qui n'apparaît pas. Et lorsque c'est quelque chose, فَإِذَا ظَهَرَ, là, ça devient un كَيْد. يعني كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ. Alors, مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ. Ibn Kathir, rahimahullah, il dit que ce mot-là, صُدُّوا, certains l'ont lu avec un dhamma. Et là, dans ce cas-là, ça sera au majhoul, au passif. Ça voudra dire quoi? Que les croyances qui leur ont été embellies, donc c'est pour ça qu'ils ont été égarés du droit chemin. Ou alors, deuxième possibilité, « wasaddu » à l'actif, comme on l'appelle dans la langue arabe, yani ils empêchent les autres de pratiquer sur cette voie. « Wasaddu anis sabil » وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala égare, eh bien, il n'y a personne qui peut l'égarer. « لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Pour eux, ils auront un châtiment dans la vie présente. وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقَّ. Et dans l'au-delà, il y aura un châtiment plus dur. وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. Et ils n'auront aucun protecteur contre Allah subhanahu wa ta'ala. وَاقٍ, yani, qui vient de وِقَايَا. Personne pour les protéger, c'est le ismi fa'il. Alors, après avoir mentionné cela, Allama Biqa'i rahman dit, mais le lien avec la suite des versets, c'est quoi? C'est que d'une part, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné le sort, dirons-nous, des gens qui ont objecté, qui ont remis en cause l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la question qui se pose, c'est que mais les gens qui justement vont croire en Allah, quel va être leur sort pour eux? Eh bien leur sort, مَثَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ. Eux, ils vont être rétribués par Allah subhanahu wa ta'ala par le Jannah. Mais il va plus loin, il dit mais le Jannah, subhanallah, ça c'est quelque chose. مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ
ولا خطر على قلب بشر. يعني vraiment personne ne peut comprendre cela. Et il dit, si quelqu'un demande, mais qu'est-ce que le Jannah? C'est quoi le Jannah? Alors on pourrait lui répondre, innaha fil jalal, dans la beauté, wa ulu, dans le jalal, dans la majesté, wa ulu wil jamal, dans la beauté exceptionnelle, wa karamil khilal, les qualités, le descriptif noble, mimma ta'ala anil manal. Yani, personne ne peut comprendre cela. Illa bidarbil amthal. Sauf si on vous donne un exemple. C'est pour ça qu'Allah ta'ala, il a dit, je vous donne un exemple. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il a cité la parole d'un khatib dans son tafsir, justement, qui s'est adressé aux gens en leur disant, voilà, Bilal ibn Sa'd, khatib au Dimashq, fi ba'di khutabihi, il a dit, ibad Allah, au serviteur d'Allah, est-ce que quelqu'un est venu vous annoncer, hal ja'akum mukhbirun yukhbirukum anna shay'an min ibadatikum tuqbilat minkum? Est-ce que quelqu'un est venu m'annoncer que mes actes d'adoration, l'adoration que quelqu'un il a fait, ça a été accepté par Allah? Ou anna shay'an min khatayakum ghufirat lakum? Ou bien que les péchés que j'ai faits, ça a été pardonné par Allah? Il leur a posé la question. Et là, il a dit, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un? Pensez-vous que vous avez été créé sur cette terre en vain, abath, sans objectif, et que nous n'allons pas être ramenés vers Allah? Et là, il continue sa khutba en s'adressant aux gens. Wallahi, il dit, لو عجل لكم الثواب في الدنيا لاستقللتم كلكم ما افترض عليكم. يعني si Allah nous aurait donné immédiatement au comptant la récompense de nos ibadah, on aurait dit seulement 5 namaz pour faire par jour, c'est pas assez. لاستقللتم. Et Marana Tanwi, pas Marana Shafari Tanwi rahmatullah alayh, mais un autre Marana Tanwi, j'ai oublié son nom exact, il disait, regardez, nous tous, quand on est commerçant, on préfère qu'on nous paye au comptant. On préfère au comptant qu'à crédit. C'est toujours mieux. Il a dit, mais dunya, c'est au comptant. Akhirat, c'est à crédit. Akhirat, on ne veut pas gagner tout de suite. On va gagner dans l'au-delà. Il a dit, c'est pour ça, des fois, on ralentit un petit peu dans la pratique. Donc lui, il nous dit que si Allah t'a donné au comptant tout de suite notre récompense, alors on se serait dit, 20 à 4 tarawih, il n'y a pas assez. Il vaut mieux nous faire 40 au moins. مفتور لاستقللتم كلكم او ترغبون في طاعه الله لتعجيل دنياكم ولا تنافسون في جنه اكلها دائما وظلها. يعني est-ce que vous votre envie d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour avoir ce monde et vous ne vous concurrencez pas dans l'obtention du jannah dont les fruits ils sont éternels, ils vont perdurer. Donc ça c'est là Allah subhanahu wa ta'ala maintenant il parle du jannah et comme la suite du verset nous dit تلك عقبى الذين اتقوا. يعني quand quelqu'un il a yaqeen du jannah, on va le voir un petit descriptif subhanallah que Allah subhanahu wa ta'ala il parle ici ukuluha, des fruits du jannah. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala il a cité des hadiths, il a dit que certains ont demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths que au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam eh bien oui c'est plutôt les gens des ahl kitab, ils ont dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون. Dans le Jannah, on va manger, on va boire. Il dit, نعم. والذي نفسي بيدي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده إن الرجل منهم لا يعطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. يعني non seulement on va manger, mais tous les plaisirs, manger, boire, tout ça, on aura la force de 100 hommes. Ça veut dire que ça sera vraiment dans le Jannah. Eh bien, inna lakum an tasihu fala tasqamu abada. Il n'y a plus de maladie. Santé éternelle. Plus besoin de mutuelle, carte vitale. Wa inna lakum an tashibu fala tahramu abada. Vous allez être jeune éternellement. Plus de vieillesse. Il n'y aura que salaman salama. Alors on va se dire, peut-être qu'on pourrait se dire, mais subhanallah, est-ce qu'on va peut-être s'ennuyer? On va peut-être se lasser? Si tout va aller bien tout le temps comme ça? Allama Qurtubi rahimahullah il a cité subhanallah une parole, il a dit ça, peut-être ça peut, comme on a dit c'est un mafal ça, hein? C'est juste un petit aperçu, comment on peut comprendre cela. Il a dit subhanallah, lorsque les hur et in vont arriver, quelqu'un il va s'allonger seulement un instant avec elle, ça va durer 70 ans, 70 ans, juste ça. Yani on ne peut pas comparer eh bien, ce monde avec ce qu'il y a dans l'au-delà. Donc Allah subhanallah dit mafalul jannah,
ce Jannah allati wa'ida al-muttaqun, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a promis aux pieux. Et le mois de Ramadan, c'est pour obtenir également cette taqwa à la darajat qu'on avait déjà vu précédemment, jusqu'au plus haut degré, ça veut dire de vider le cœur de tout ce qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce Jannah, tajri min tahtiha al-anhar. Allama biqa'i rahimahullah, il dit, on a l'habitude d'entendre ça, tajri min tahtiha al-anhar. Il dit, mais Allah tabaraka wa ta'ala a mis min tahtiha. Il a dit, s'il n'y avait pas min tahtiha, eh bien, walamma kanat, s'il n'y avait pas min tahtiha, eh bien, law ammaha al-ma'ul jari, la kanat bahram. Yani l'eau là, ben, le Jannah n'aurait pas été un jardin, ça aurait été un océan. Ça veut dire qu'il n'y aura pas, ce ne sera pas partout qu'il y aura de l'eau, mais il y aura sous les arbres, ashjariha wa qusuriha, sous les palais, là-bas il y aura de l'eau. L'eau, le jardin, la verdoyance, mudhammatan, fihima aynan nadhakhatan, toute cette description qu'on retrouve dans la sourate Ar-Rahman, dans la sourate Al-Waqi'a, wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, ukuluha da'im, yani les fruits du paradis, eh bien, ils resteront pour toujours. Pour toujours, ça veut dire quoi? Ma'ana Shafaritan rahmatullah alayhi dit, comme dans les hadiths mubaraka, eh bien, c'est expliqué, eh bien, quand on va manger un fruit, tout de suite, il y aura un autre fruit qui va repousser. Ça va revenir tout de suite. Da'im, wa dhilluha, et l'ombre du paradis également sera perpétuelle. Ma'ana rahmatullah alayhi dit, attention, alors pourquoi est-ce que l'ombre sera perpétuelle? Parce qu'il n'y aura pas de soleil. La yarawna fiha shamsan. Mais il dit, attention, s'il n'y a pas de soleil, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lumière. Car la lumière peut provenir d'un autre moyen que le soleil. Et, bon, bon je vais le dire, mais je n'ai pas exactement la référence. Il me semble avoir lu quelque part que vous voyez justement, bon là aujourd'hui il y a un petit peu de pluie, mais après la salade de Fajr, avant le lever du soleil, comme le temps il est encore calme, ce n'est pas encore ensoleillé là, ben dans Jannah serait un petit peu comme ça. Il me semble avoir lu ça quelque part, Wallah, voilà, ou bien après Asab. En tout cas, il y aura pas ce, quand il fait chaud, c'est piquant, tout ça, etc. Da'im, il y aura l'ombre perpétuelle. Tilka uqba alladhina ittaqaw. Voilà la récompense des gens qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala, la destination finale. Wa uqba alkafirin an-nar. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, leur destination à eux sera le feu de l'enfer, qu'Allah ta'ala nous en préserve. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit que والذين آتيناهم الكتاب, ceux à qui nous avions donné le livre, yani les peuples précédents, la Torah, le Injil, lorsque eux ils entendent le Saint-Coran, comme An-Najashi, yafrahun bima unzila ilayka, ils se réjouissent de ce qui a été révélé vers toi. Le premier verset de la sourate 7e juz dans nos Coran à nous, wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Lorsqu'ils ont entendu le Najashi, il a entendu la sourate Maryam, il a entendu qu'on parle de Marie, on parle de Isa, de Jésus, subhanallah, il a commencé à pleurer, il a dit ça c'est la vérité. Ça veut dire que Allama Biqa'i, qu'est-ce qu'il dit? Regardez, la révélation de la Taurat et du Injil et du Saint-Coran, c'est Allah Ta'ala lui-même qui a révélé tout ça. لِأَنَّهَا مِنْ مِشْكَاتٍ وَاحِدَةٍ. Ça vient d'une même source, on va dire. Mishkat, ça ne veut pas dire source, mais ici, c'est dans le sens, on a traduit comme ça, d'une même source, ça vient d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc les Ahli Kitab, les gens du livre, et c'est ce qui explique aussi parfois que les gens, justement, ils acceptent l'islam parce qu'ils retrouvent le même message. Et c'est le même message, on y viendra tout à l'heure, dans les grands principes, dans les usul, ça reste la même chose. Dans les furu', il y a des divergences, il y a des différences. Et parmi eux, eh bien, min al-ahzab, il y a certains, mayun kiru barda, qui vont rejeter une partie de ce Saint-Coran. Eh bien, Mawlana Tani rahmatullah dit, si vous rejetez le message prophétique, soit vous rejetez les usul, les grands principes, et soit vous rejetez les furu', yani les principes détaillés, les règles. Vous faites 12, vous faites 5 namaz, etc. Il a dit, mais les grands principes, ils sont de 3. Premièrement, umirtu an a'bud Allah, tawhid, wala ushrika bi. Et je n'associe personne à Allah. Il dit, ben, ce tawhid-là, pourquoi est-ce que vous le refusez alors que c'est une croyance unanime depuis Adam alayhi salatu wa salam? Deuxièmement, umirtu
Yani, en tant que prophète, eh bien, la risala, ça aussi c'est unanime. Il y a toujours eu l'envoi des prophètes depuis Adam alayhi salatu salam. Et troisièmement, c'est la croyance en l'au-delà. Ilayhi ad'u, c'est vers lui que j'appelle, wa ilayhi ma'ab, yani mon retour, ce sera vers lui. Donc, vous n'avez pas à rejeter les grands principes, parce que ce sont les mêmes que les vôtres. Yani la croyance en un Dieu unique, qu'on retrouve également dans la Bible et dans les autres textes, la croyance en la prophétie, la risala, et la croyance en l'au-delà. Donc il n'y a pas besoin de rejeter cela. Et si c'est en termes de furu', alors le verset qui vient après, le verset 39, eh bien sachez que oui, il y avait des règles détaillées différentes dans d'autres sharia, dans d'autres lois. Elles sont différentes dans cette sharia. Pourquoi? Parce que yamhu Allah ma yasha wa yuthbit. Parfois, Allah, il abroge certains règlements et il établit certains autres règlements. C'était plus adapté à cette époque là-bas, à l'époque de Isa, Moussa, etc. Et aujourd'hui, pour la umma de Nabi, eh bien, c'est différent. Très bien. Alors, voilà pour la réponse à ça. Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika. Lorsqu'on a entendu tout ça, regardez cet agencement et cette séquence, cette symétrie dans cette rhétorique, dans ce Saint Coran et Karim. On dit, mais c'est ainsi, il y a ni autant de beauté dans l'agencement du Saint-Coran, كَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. C'est ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, que nous avons, comme nous avons révélé aux messagers les livres d'avant, et bien nous avons révélé ce Coran en langue arabe. Et bien entendu, on a dit effectivement, dans les peuples précédents, c'était dans d'autres langues, ici c'est la langue arabe. Et si, وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, si tu vas suivre leur passion, بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, après ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala tu as reçu au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de science, c'est-à-dire la révélation, si tu suis malgré tout leur passion, ma laka min Allahi min waliyin wala waqin. Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas ton allié, il ne sera pas ton défenseur. Yani, dans, même si eh bien, on t'appelle vers quelque chose qui est contraire, comme tu as reçu la révélation, eh bien, continue là-dessus. Autre objection dans le verset suivant, les deux derniers versets, inshallah, avant de terminer. Eh bien, c'est quoi? C'est que certains Ahlé Kitab, ils disaient, mais ça, ce n'est pas un prophète. Pourquoi? Parce qu'il a une femme et il a des enfants. Donc, il ne peut pas être un prophète. Allah subhanahu wa ta'ala répond, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّنْ قَبْلِكَ. Mais tous les prophètes que nous avons envoyés avant toi, certes, nous avons envoyé avant toi des prophètes, وَجَعَلْنَا لَهُمْ, et nous leur avons également donné des épouses et une descendance. Et Imam Shafi'i rahmatullah alayh, il a dit dans Masail al-Suluk, c'est là où il explique, dirons-nous, le tasawuf à travers les chaque verset. Et bien, qu'est-ce qu'il dit? Que à travers cela, que kamil ko ta'alluqat ahl wa dunya ke mudhir nahi hote ariy munafi wilayat nahi. En ce sens, à quelques mots près, que même si quelqu'un il atteint la perfection dans le din, dans sa proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça ne veut pas dire qu'il délaisse les relations avec sa famille et avec les autres. Et ça, ce n'est pas contraire à la wilaya, à la proximité. Au contraire, plus quelqu'un est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus les huquq, les droits des autres, eh bien il va prendre soin de ces droits-là. Donc ça, il retire à travers ça. Donc il dit, ceux qui disaient que c'est un prophète, il a une épouse, c'est pas possible, mais tous les prophètes, avant, tous les prophètes ici, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. On sait que Isa alayhi salam, lorsqu'il reviendra, eh bien c'est là qu'il va se marier. Et pour Yahya alayhi salam également, Allah subhanahu wa ta'ala dit, أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا. Un des tafsirs de Hasour, yani celui qui n'était pas, on va dire, attiré par les femmes. Donc, mais les Anbiya alayhi salatu wa salam, ça fait partie de la sunna, hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, أَرْبَعٌ مِّنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ. Il y a quatre grandes actions qui font partie de la sunna des prophètes, et parmi cela, il y a le nikah, il y a le fait de mettre le itr, il y a la circoncision également. Donc ça fait partie des grands, comment dire ça, des grands, oui, arba'a min sunan al-mursalin.
eh bien, des grandes sunnas de tous les prophètes et également à Siwak. Donc ne vous étonnez pas, s'il a des femmes et des enfants, eh bien, ne vous étonnez pas, avant lui également, il y a eu des gens, les prophètes, qui ont eu des femmes et des enfants. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Il n'appartient pas à un prophète, à un messager, de présenter une preuve, un miracle, si ce n'est par l'ordre d'Allah, تبارك وتعالى, لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ. Mon internet, rahmatullahi alayhi, il dit que regardez, lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, s'adresse ainsi aux anbiya, que n'allez pas rechercher, vous ne pouvez pas produire des miracles par vous-même. Ben, quand les prophètes eux-mêmes, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils ne peuvent pas faire ça, eh bien, sahibi khawari khona zarur he, oui, to awliya, c'est to kab ijazat hogi, jin ka sahibi khawari khona bi zaruri nahi. Yani, ce n'est pas parce que quelqu'un, eh bien, c'est un ami d'Allah que forcément il va faire des miracles. Comme les prophètes eux-mêmes ne peuvent pas produire des miracles, si ce n'est que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien pour les awliya'ullah, pareil. Donc, likulli ajalin kitab, chaque chose arrive à un moment précis. Et juste pour terminer, justement par rapport à ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset 39, qu'il abroge, yamhullah, il abroge ce qu'il veut, wa yuthbit, et il maintient ce qu'il veut. Wa indahu umul kitab, et auprès de lui se trouve Ummul Kitab, la mère du livre, ou bien le Lawhé Mahfouz. Très bien. Alors, dans ce verset-là, certains ont dit que ça, c'est lié au taqdir. Ça veut dire que, eh bien, dans le taqdir, dans le destin, il y a certaines choses qui, parfois, sont inscrites en termes de risque, subsistance que quelqu'un doit avoir, en termes de longévité, combien de temps est-ce qu'il va avoir, combien d'enfants, tout ça, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tabdil, il change ce taqdir. Ce qu'on appellerait en d'autres termes le taqdir mubram, qui ne change pas, et le taqdir mu'allaq, qui est lié à certaines actions. Exemple, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, dans un hadith rapporté par Thawban, radiyallahu anhu, de Imam Ahmad, « Inna rajula la yuharamu rizq bidhambi yusibuhu. » C'était inscrit que tu devais avoir ton risque. Mais parce que j'ai fait un péché, et bien voilà pourquoi je n'ai pas eu. Donc vous voyez qu'il y a eu un changement. Alors bien sûr, il y a eu un changement pour nous. Dans le ilm d'Allah, il n'y a pas de changement. Allah Ta'ala savait parfaitement qu'est-ce qui allait se passer. Mais pour nous, c'est comme s'il y a eu un changement. Et « wala yaruddu al-qadara illa du'a. » Rien ne peut changer la destinée si ce n'est le du'a. Et c'est vrai que souvent on néglige le du'a. Ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça c'est quelque chose, eh bien, qui peut changer ce taqdir. Wala yazidu fil umr. Et la longévité, quelqu'un ne vivra pas plus longtemps. Qu'est-ce qui va le faire vivre plus longtemps? Illa al-birr. C'est lorsqu'il va faire des bonnes actions. Alors certains, eh bien, ils ont lié ça au taqdir. Et Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, bon, il a précisé, il dit que, selon Ibn Abbas, sallallahu alayhi wa sallam, yudabbiru amra sana. Allah Ta'ala, il va annoncer, par exemple, aux anges, il a la connaissance, bien sûr, éternellement, hein, de tout ce qui va se passer jusqu'à Yawmul Qiyama et après, mais il va annoncer aux anges tout ce qui va se passer dans l'année. Le 15e Sha'ban qui vient de s'écouler, ou bien la nuit de Laylatul Qadr, d'accord, qui est, on va dire, véritablement la nuit du destin, même s'il y a certains avis qui disent que c'est la nuit de 15e Sha'ban. Eh bien, dans cette nuit du destin-là, Allah subhanahu wa ta'ala va décréter qui va mourir, qui va naître, qui va se marier, etc. Tout ce qui va se passer. Et ça, ce sont des choses qui peuvent varier, encore une fois, bin nisbati ilayna, selon nous. Dans le ilm d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, ça ne change pas. Et il dit, fayamhullah. Parfois, Allah ta'ala avait prédit quelque chose, mais parce que quelqu'un il a fait une bonne action, il a fait un dua, etc. Allah ta'ala, il va effacer cela, wa yuthbit, et il va établir d'autres choses, il va laisser comme ça. Sauf, Ibn Kathir, il mentionne d'Ibn Abbas, il la shaqa, wa sa'ada, wa al-hayat, wa al-maut. Yani la destinée, la bonne ou mauvaise, quelqu'un va être dans la piété ou pas, ou bien la mort et la vie, ça ne changera pas, selon cette parole Ibn Abbas, radiallahu anhu. Bref, tout ça pour dire quoi? Et pour terminer là-dessus, qu'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il a dit que certains saints de l'islam, ils faisaient ce dua. Alors c'est rapporté de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu également, subhanallah, lorsqu'il faisait le tawaf de la Kaaba. Yatoufu bil bayt, wa yabki, il pleurait, qu'est-ce qu'il disait? Allahumma in kunta katabta alayya shiqwatan aw dhanban famhuhu. Ou Allah, si tu as inscrit, prédestiné pour moi, eh bien, un égarement, quelque chose, un manque de réussite, ou bien un péché, efface cela. فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ. Tu effaces ce que tu veux et tu établis ce que tu veux et auprès de toi se trouve l'awhé mahfouz, on va dire. فَجْعَلْهُ سَعَادَةً وَمَغْفِرَةً. Et transforme cela en sa'ada, en réussite et en
pardon. Et maintenant, le Cheikh Al-Itani, rahmatullah alayhi, lui dit, un tafsir plus simple, c'est que comme on a dit tout à l'heure, eh bien, yamhou Allahu ma yasha, Allah subhanahu wa ta'ala, il efface ce qu'il veut, yani les autres sharia, les autres lois des autres prophètes, eh bien, ça maintenant, c'est abrogé. Quelqu'un ne peut pas dire, moi, je pratique sur la sharia de Moussa alayhi salatu wasalam, ou bien de tel autre prophète avant. Non, ça, c'est fini. Et il garde parmi les lois, par exemple dans Ibrahim a.s., quand il a accompli les af'al du hajj, hein, le qurbani, ça vient de Ibrahim a.s. Donc ça, il garde ce qu'il veut. Et auprès de lui se trouve le Ummul Kitab. Il a dit, Ummul Kitab, ça peut vouloir dire Lawh-e Mahfouz. Donc dans ce cas-là, si c'est le Lawh-e Mahfouz, eh bien, si le Lawh-e Mahfouz correspond au ilm d'Allah, enfin il a dit deux choses. Bar les salaf ou ces doua manqul bihe par haqiqat yehe ke daftar malaika seto ye mahou mumkinhe. Yani si le Ummul Kitab ça correspond au registre des anges, alors ça peut changer. Mais par contre, si c'est ilm ilahi mumkinhe, la science d'Allah subhanahu comme on a dit, ça c'est pas possible que ça va changer. Et dernier petit point, juste pour le plaisir, on va dire, Allama Biqa'i rahimahullah, il a dit quelque chose de ajib, subhanallah. On parle du miracle du Saint-Coran et Karim dans l'utilisation des mots, dans la syntaxe, dans l'explication, dans le tafsir, le commentaire. Et là, c'est à travers le Rasmul Khat. Rasmul Khat, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on écrit le Coran? Alors en général, on ne fait pas trop attention à ça. Mais ici, il dit Yamhu. C'est écrit avec un waouh. D'accord? C'est écrit avec un waouh. Et normalement, ça devrait être écrit avec un waouh. Mais il dit à un autre endroit, dans le Saint-Coran et Karim, « Wa yamhu al-batila wa yuhiqqu al-haqqa bi kalimatihi » Sourate al-Shura. D'accord? « Wa yamhu al-batila wa yuhiqqu al-haqqa bi kalimatihi » voilà. « Yamhu al-batila wa yuhiqqu al-haqqa bi kalimatihi » Dans Sourate al-Shura, il dit là-bas, si vous regardez, « Yamhu » est écrit sans waouh. Alors que normalement, il aurait dû avoir le waouh. Il dit, mais pourquoi est-ce que ici le waouh est resté et là-bas, le waouh est effacé? Il dit, parce que le waouh, ça montre al-rif'a ou al-ulou. Ça montre quelque chose d'élevé. Et c'est pour nous faire comprendre que même si c'est une sharia, une loi qu'Allah a abrogée, mais les effets de cette sharia restent élevés auprès d'Allah. Ça ne s'effacera pas. Par contre, là-bas, وَيَمْحُوا الْبَاطِلِ et il efface la fausseté. Il a dit, ben là-bas, la fausseté, quand c'est effacé, le waouh aussi a été effacé. Ça, c'est un miracle, on va dire, du رَسْمُ الْخَطْرِ du Saint-Coran et Karim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'à l'approche du mois de Ramadan, eh bien, on arrive de plus en plus à puiser de ce livre saint qui est un guide pour l'humanité, qu'on augmente notre tilawa, qu'on augmente notre compréhension, notre écoute, qu'on lise au moins un petit peu, alhamdoulilah, la traduction, ou bien quelques explications qui existent, ou bien qu'on écoute, alhamdoulilah, les audios existent, mashallah, alhamdoulilah, les ulama également, ils font des durous à travers différents endroits, à La Réunion et ailleurs, alhamdoulilah. Essayons de profiter et vraiment de s'imprégner du Coran. C'est ça qui va alimenter notre cœur. C'est ça qui va remplir notre cœur, qui va redonner la vitalité, notre iman, notre yaqin, et c'est ça qui va nous aider, incha'Allah. Comme Othman radiallahu anhu, il disait que لَوْ طَهُرَتْ قُلُوبُنَا لَمَا شَبِعْنَا مِنْ كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Si nos cœurs auraient été purifiés, alors jamais on ne serait rassasié de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous accorde tawfiq, incha'Allah. وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.